Ah, dommage. Stéphane. Et un simple accel, je crois, pour Sarah. Mais apprécier les progrès réalisés dans le patinage, la technique de couple, les portées sont plus précises, et notamment celui-ci, le terrible. Et une sortie originale, vous allez le constater, qui engage la partie lente du programme. C'est un patinage plus précis, plus technique et notamment sur les difficultés en couple. Il y avait malheureusement quelques imprécisions, notamment sur les sauts individuels et sur la réception notamment du triple boucle lancé où il y avait une petite main, alors que là le double axel était somptueux d'amplitude et d'aisance. Le porté ici au ralenti, ils en réalisent trois, le terrible, la bougie et la biche. Des notes techniques de Sarah et de Stéphane et j'ai envie de dire de Bénur. Bénur, c'est le petit chien qui porte la même tunique qui est sur les genoux de Sarah. Bon, vos notes sont ce qu'elles sont, mais la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est
pas un peu difficile de se motiver lorsqu'on est seul pour un titre? Si, tout à fait, c'était très difficile parce qu'on est tout seul et c'est vrai que c'était aussi une horaire tardive. Maintenant, je crois qu'il va falloir qu'on se reconcentre pour le championnat d'Europe et du monde. Et là, je pense qu'on sera motivé à bloc et on fera un meilleur programme car ce programme n'est pas du tout de notre niveau. Ça monte tout de même dans la note de présentation. Alors justement, vous avez un nouvel entraîneur, vous avez effectué d'énormes progrès dans certains domaines. Alors on vous a suivi avec Christian Barthès tout le long d'une journée à Bercy et vous allez un petit peu disséquer avec nous votre entraînement quotidien. Alors là, c'est plutôt étonnant puisque c'est au sol. Et vous effectuez en compagnie de Stanislas Leonovic des portées avec des gilets. Le pourquoi du comment, expliquez-nous. On met ces gilets, comme tout le monde peut le voir, c'est un gros gain de poids pour Sarah et pour moi. Donc voilà, là je la lance et c'est vraiment lourd pour moi. Et c'est vrai qu'après, ça me paraît beaucoup plus facile sur la glace. Vous enchaînez toujours au sol avec Olga Leonovic, la femme de votre entraîneur. Et là, vous travaillez la chorégraphie dans le détail. Ce n'est pas toujours simple, Stéphane. Ouais, Olga est très... Elle est très finisseuse dans les mouvements et là j'ai encore un petit peu de mal à m'adapter à ce qu'elle me demande. Le souci du détail et la virtuosité, la technicité et puis le mental aussi puisqu'on travaille un petit peu la confiance et là Stanislas fait un gros travail avec vous et puis le travail technique avec notamment le triple axel lancé que vous retravaillez à l'entraînement. Là c'est difficile à Sarah. Oui, effectivement, je suis un petit peu derrière. Il va falloir que je reprenne confiance sur ce saut et que je sois motivée afin de battre les autres coupes grâce à ce saut au championnat d'Europe et du monde. Et je crois que je vais vraiment me remettre dessus parce que ce sera un atout primordial, je pense. Et là, une image étonnante. Vous finissez l'entraînement avec des medicine balls. Pourquoi? Comme les otaries, hein, Anne-Sophie. Oui. C'est pour travailler le haut du corps et puis... à réussir à faire des croisés beaucoup plus profonds et beaucoup plus puissants. Stanislas, l'entraîneur, que pensez de ce couple français? Quel avenir? Sur quels détails vous allez travailler maintenant? On peut toujours travailler, être mieux. Et pour l'instant, on a montré qu'est-ce qu'on a préparé. Aujourd'hui, un peu difficile ce soir parce que l'organisme, Sarah et Stéphane, encore normalement, ils sont doivent dormir. Mais on a passé quand même bonne soirée et merci pour le public et pour tout le monde. En tous les cas, merci à tous les trois et puis on vous retrouvera bien entendu au championnat d'Europe, Sarah et Stéphane, avec pourquoi pas une chance de podium. Nous passons aux dames.